Ak Teacher Daniel, tout moun ka apprenn pa l'anglais. Hey, welcome back. In today's video, I'm going to teach you 4 expressions that you should know. Nan video pou jodi, m pral lanse yo 4 expressions sou l'amou ko dwe konnen. Par exemple, koman pou di mamzèl by Monsieur Zoclo, koman pou di fou d'amou, koman pou di good food, et koman pou di tout Monsieur gen zye sou mamzèl. Se expression sa yo ke n pral apprenn nan video sa. Let's get started. Première expression que m'a commencé avant, c'est expression qui dit gen zye sou un tel. Comment pour dire en anglais yon moun gen zye d'une manière amoureuse sou yon moun. En anglais, on dit ça to have a crush on someone. Gen zye sou yon moun. On dit ça en anglais? I have a crush on someone. Have a crush on someone. Le wap di un tel gen zye sou un tel. Eh bien, on est capable d'utiliser l'expression ça qui c'est to have a crush on someone. Est-ce que vous comprenez? L'aime dit someone ou capable de remplacer someone n'a pas n'importe qui pronom. Nous allons voir ça tout à l'heure. On va essayer de prononcer. Let's try to pronounce. You say have a crush on someone. You see here, I try to link them. Moi essayer lier yo. Qui dernier mot que vous entendez dans le verbe avoir? C'est have. The sound v, c'est son v que vous entendez, pas vrai? Eh bien, uniquement que vous avez une voyelle, you see that? Vous avez une voyelle, son v, avec à la fin, have. If you want to speak naturally, like your language, Haitian Creole. Si vous avez aimé parler naturellement, même j'en parle créole. Laissez-moi vous dire have. Au lieu pour dire have a, you say have. L'arrivé là encore, vous dit crush. Sh plus on, li fait question. Have a question, someone. Have a question, someone. Parce que l'op parle créole ou pas parle créole mot à mot, c'est même gentil natif américain ou bien anglais. J'aime parler langue par là, slow, slow. Ok? Yo interconnecté, yo dit, have a question, someone. Ça signifie gen zye sou yon moun. Par exemple, si map dit, un tel gen zye sou un tel. Comment pou di phrase ça? For example, Curry has a crush on Roberto, but she is too shy to tell him. Ou nan nou pral interconnecte phrase pou nou fè phrase la vin pi normal. Ou di Curry has a crush on Roberto, but she is too shy to tell him. Yo di Curry gen un zye pou Roberto, men l tellement timide li pa ka di misye sa. Ou di phrase ça en anglais, ou di Curry has a crush on Roberto, but she is too shy to tell him. Ou gen zye sou mwen? Comment vous dit phrase ça en anglais? Do you have a crush on me? Ou gen zye sou mwen? Do you have a crush on me? Ou gen zye sou un tel? Ou gen zye sou Magali? Do you have a crush on Magali? Est-ce qu'on gon ti boule nan ki yo pou Magali? Est-ce qu'on gen zye sou li? Donc expression c'est to have a crush on someone. Remember, you can replace someone by whatever pronoun you want to use. Ou capable remplacer someone nan pa n'importe qui pronom que ou vle remplacer. Par exemple, ou capable remplacer par him, soit parler de lui, un garçon, ou capable remplacer par her, soit parler de une fille. Par exemple, Magali, Chantal, etc. Ou dit have a crush on. Et ou capable toujours remplacer toi par n'importe qui pronom personnel sujet. Par exemple, si m'a dit moi gen zye sou un tel, moi dit I have a crush on Joan. I have a crush on Jessica. Ou capable remplacer n'importe qui pronom là et n'importe qui object pronoun ici à là. N'importe complément ici à là. Pronom complément. Great job. Now let's go to the second expression about love. Remember, we're talking about love expressions. About love, expression sous l'amour. The second one is good food. Comment pour dire good food en anglais? Your good food, c'est un amour à première vue. Ou fait quoi mon nom et vous tombez d'amour. Ou dit ça en anglais? Love at first sight. Listen carefully. Love at first sight. Love at first sight. Comment pour dire le plus rapide? Pour interconnecter yo pour capable parler naturellement même j'en parle langue pour là qui c'est créole. On dit love at first sight. Love at first sight.
Love at first sight. Love at first sight. C'est ça, où il est un coup de foudre en anglais. Ou fait quoi, mon nom, et puis nous tous les deux d'amour, la lune avec soleil, d'accord, et puis nous tous mariés, nous faire petit, etc. For example, my wife and I were love at first sight. M'a dit, madame, moi, avec, c'est ton l'amour, de capable de dire, cool, show, quit. Depuis nous, ouais, et puis nous tous les deux tombés d'amour. Ou dit ça, my wife and I were love at first sight. Mais comment vous dites phrase là? Rapide et on était connecté moyo. Ou dit, my wife and I were love at first sight. My wife and I. Là, m'a dit and I. Yo fait liaison avec N. Yo dit and I. Ça plus courant, yo dit and I. You and I. All right? You say you and I. Love at. Instead of saying love at, you say love at. Love at because the last sound you hear is a V sound. Dernier son que vous entendez, c'est son V. E à la pas prononcé. D'accord? Vous dites love at. My wife and I were love at first sight. Madame, moi, avec, c'est ton l'amour à première vue. OK? Depuis nous, nous tombons d'amour. That's great. Kounye, an nou apren koman pou di fou d'amou. Le yon moun fou pou yon moun. Ok? Now, we're talking about an unconditional love. Na pale de yon l'amou inconditionnel. Yon l'amou sans limite. Le sa moun nan fou d'amou. Koman pou di fou d'amou ou du moins tombe d'amou en anglais? Ou di sa ou kapab utilize expression sa ki se to fall head over heels. And I fell head over heels in love. To fall head over heels. Let's say all together, to fall head over heels. Great. To fall head, head means tête. Heels signifie talon. Si nous avons essayé d'interpréter l'expression ça, nous avons dit de la tête au pied. OK? Ou tomber pour mon nom de la tête au pied. Ça veut dire ramène de la tête au pied. Même genre, une musique qui dit ça. Remain de la tête aux pieds. You know that. Fall head over heels signifie fou d'amour, tomber d'amour. Ou remain moun sa complètement. Ou dit fall head over heels. Let's get an example. Romeo and Juliet fell head over heels in love. You say Romeo and Juliet fell head over heels in love. Now, if we want to connect and say it fast, we say, Romeo and Juliet fell head over heels in love. Romeo and Juliet tombé d'amour. Okay? Ça veut dire, yo yun remè lot. Yo remè yun lot en ke. Okay? You say, fall head over heels. Remè de la tête au pied. Okay? Fou d'amour. Ou bien tombé d'amour. C'est comme ça on dit ça. Now let's learn the last expression. The last expression is by zoklo. Comment on dit by zoklo en anglais? Ou dit by zoklo en anglais? Ou dit expression ça qui c'est cheat on. To cheat on. OK? Cheat on signifie tromper, duper. You cheat on your husband. Cheat on. Il signifie by zoklo. Dans vidéo avant, nous t'ai montré comment pour dire by zoklo. Mais là, c'est là un monde ba on l'autre monde zoklo. Mais zoklo ça, c'est lorsque on fit tromper mari ou bien ménage dit. Ou bien les garçon tromper madame né. Là ça on dit by zoklo. By zoklo. Comment on dit expression on dit ça? Cheat on. Yo utilise le tout dans l'autre contexte, les examen. Par exemple, ou bien doit dire un élève ou bien un étudiant, hey, pas tricher dans examen. Ou capable utiliser cheat là pour parler de contexte ça. De même, tout dans le contexte que nous avons parlé là, ou utiliser cheat on lorsqu'on parle de relation de monde qui ensemble, côté yun trompe l'autre. Ou dit cheat on. For example, she cheats on him. She cheats on him. Mamzelle trompe monsieur. She cheats on him. Mais si vous voulez parler rapide, ou pas capable de dire mot à mot, la parole embarrasse bouchou et ou pas paraître naturel. Pour faire ça, on va interconnecter moyo. Là, on va dire cheats
on. OK? She cheats on him. Ou pas qu'a dit she cheats on him. Parce que H la aspiré là, mais l'on va parler rapide. H la vin obligé down. H la vin obligé silent. You got a silent H. H la pas prononcé. L'on va parler rapide. Ou dit she cheats on him. Listen carefully, you say she cheats on him. Mamzelle trompé, monsieur. Mamzelle by monsieur Zoklo ou dit she cheats on him. Let me give you a second example to let you understand very well. She cheated on me with Victor. Par exemple, si on a dit, ah, mamzelle bam zoklo avec Victor, mamzelle trompé avec Victor, ou dit, she cheated on me with Victor. Okay? Let's say again. She cheated on me with Victor. She cheated on me with Victor. Pour les soudains, il dit phrase rapide, ou dit, she cheated on me. She cheated on me. All right. She cheated on me with Victor. You know, she cheated on me with Victor. She's not my wife anymore. Okay. I'm divorced. Vous connaissez? Mamzelle trompé avec Victor. Li pa madame moi encore, non, divorcé. Okay? She cheated on me with Victor. Bien que monsieur trompé tout, mais ou toujours pas accusé mesdames seulement. You say cheat on. Now you've been learning 4 expressions about love. M'espère que vous apprenez 4 expressions sur l'amour que vous avez envie qu'on ait déjà. Ben, me rappelez-vous avant d'aller. Première expression que vous avez apprenant, c'était comment vous dites genzye sur un tel. Vous dites expression ça, to have a crush on someone. To have a crush on someone. Genzye sur yon moun. Et deuxième expression que vous avez apprenant, c'est comment vous dites coup de foudre. Amour à première vue. Ok, vous avez dit ça. Love at first sight. Okay? First sight, first love. You say love at first sight, qui signifie coup de foudre. Et troisième expression que nous apprenons, c'était fou d'amour. Lorsque mon monde complètement waouh, fou d'amour mon ça. On dit to fall head over heels. Remain de la tête aux pieds. Et dernière expression que nous apprenons aujourd'hui sur l'amour, c'était cheat on, qui signifie baiser clos. Les on fit tromper un monde, bien un garçon trompé, ménage ou bien madame ni. On dit cheat on. J'espère que vous apprenez l'expression ça et nous partager, nous like vidéo ça, faites qu'on ait un commentaire si nous t'appréciez. Dans prochaine vidéo que m'a bien pour nous, nous pourrons apprendre qu'on est comment pour dire zo kiki grand monde canaille causer etc. Cette expression ça que vous apprendre. Stop. Avant aller mon message pour. Si vous êtes un monde qui intéressé à apprendre par l'anglais, ou bien on pral voyager aller dans un pays côté ou parler anglais, m'a conseillé aller dans description vidéo ça. Ou ap jwenn yon link. Cliquez sur li pour ka acheter classe moyen. Yon classe ki la pour moun ki pa konn anyen anglais. Ou ap apprendre tout type de phrase que ou ap gen besoin yo. En anglais avec définition créole. M pa bon menti, classe ça utile ou en pile et li pa coûter en pile l'argent. Avec seulement $9.99 ou ap jwenn 22 modules kap mete ou sou ray anglais. Eh bien, ou pa gen le choix non? C'est cliquer sou link la kounya pou ala chekou sa pou ka mete ou sou ray anglais. Remember, my name is Daniel et c'est toujours un plaisir pou m pote jan de contenu sa yo pou progresser nan l'anglais ki sa anglais. Avant ak Biden, mete anglais sou. Ak teacher Daniel, tout moun ka aprann pa l'anglais.